Akadinye gaboga ba longtemps, akadinye nege zinga bega abelta, akadinye anga photo ta ogana jigi na chestari ya mano wande ya dane do ici ou de mille à l'état civil ou de canouté. Donc je suis pas seul, je suis avec grand frère. Yeah. Mon petit, comment tu vas? Ouais, merci. Tranquille. Toi. Voilà, on est avec Oude Mille, c'est le jeune prodige du rap malien qui est très coté en ce moment. Vous êtes de l'autre côté de l'international. Mais voilà, je vous offre quelque chose aujourd'hui. Mais juste avant, je vous invite à suivre l'actualité localement. À tout à l'heure. Le couple musical très prisé en ce moment, Bigini Bagaga et Palmer, ont donné un concert le 4 septembre dans la salle Meruba de Ségou. Un concert qui a été beaucoup apprécié par la population. Le concert de l'indépendance à Ségou, c'était le 11 septembre au stade municipal Sorikunandji, avec comme artistes invités Jazzy, Momo Choco, Kanté, Lil Z. Concert du jeune prodige du rap malien Wizzy Wozo et son grand frère Abawin au stade municipal de Ségou, c'était le 24 septembre. Le concours Corée Hip-Hop à Ségou était à sa 8e édition, une compétition qui met en lumière les jeunes rappeurs de Ségou. Joss Aramani était à Ségou et c'était dans la salle Meruba le 22 septembre. Et yo, vous êtes dans Corée Urban Music, c'est chaque mois sur votre web TV préféré, Oude Mille. Il n'est plus à présenter dans le chéquier rapologique malien, mais à l'international. C'est une surprise pour vous. Vous allez découvrir son clip, vous allez connaître ce petit qui est vraiment à connaître. Oude, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Yes. Bien. Oude, tu as un album. Mon système. Explique-moi un peu mon système. C'est juste le style que je fais dans le game. Oude, pourquoi tu as choisi le rap? Bon, en fait, moi, il faut arriver de Kodo, là, Isegota, quoi. N'est-ce pas de musique, là? C'est avec deux amis. Mm-hmm. C'est eux qui m'ont poussé à chanter et tout. Donc, c'est comme ça que je suis venu dans le game. Tu crois que le clash, t'as les nye fait? Est-ce qu'il y a un peu de ta carrière, là? Mimi, demain, game qu'on a là, au bekeh, aéré, magasoro, alima, la nye, quoi. Ben Oude, dis-moi un peu, de quoi est-ce que tu parles dans tes chansons, genre, les thèmes que tu évoques? Bon, souvent, je donne des conseils. Terike Kunda, Famine Kunda, Abseka Kegem Ganokoye. Souvent, il y a des bases, il y a des consciences. Sans conscience, il y a des en fait. Yes. C'est ça que j'aime. Ok, on va continuer, mais je vous invite à suivre l'actualité nationalement dans cette web, cette émission. Vous êtes vraiment calé, vous êtes au diapason de l'actualité. Le groupe Nigafama était en concert au Palais de la Culture de Bamako le 27 septembre dernier. Le concert Double Seven Tour s'est bien passé à Kuchala, c'était le 25 septembre. Palmer avec son nouveau concept, le Palmer Land, c'était pour la première édition au Palais de la Culture de Bamako, une vraie réussite. Momo Choco, pour la première fois, donne un concert au Palais de la Culture de Bamako. C'était le 21 septembre dernier. Galibandi, Feiza de la structure Jagelea Music ont donné un concert le 22 septembre dernier à Bougouni. Kanya chifano ngotene sonye umusago wega duwa ukenye nega kalide de manula sonye nye sege do uye nete shiniye de e pourtant nedume shiniye de jone ye duula wili maligo denula wili jone ye fanula wili. Explique-nous de quoi est-ce que tu parles dans le clip.
C'est quoi exactement? Donc Oudé, dis-nous un peu. Ben, au début de l'émission, on a oublié de te féliciter parce que tu viens d'avoir ton examen. Ouais. Le bac. Félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Et Erebolo, est-ce que Rapou Beseka Keni Kalani Donia doté? Bon, on a un boulot. Il y a un Kalanke, il y a un Lida, il y a un Tien, il y a un Dafari. Donc, ma femme a fait un bel adjelé, elle a fait un fabrique en adjelé. Donc, au Béga Blou, Kuna, Ko Kalan, c'est bien pour nous. Fait, en fait, on a un blagatao. On a un bois. Warwe jana souvent warwe dame dimindimi ame golnu choume avec agagwanye mais et pourtant c'est bien pour nous tu vois donc c'est très cool. Momslou était au Burkina Faso précisément à Bobo-Dioulasso pour un concert. Le roi de la rumba, Koffi Olomide, était au Palais des Congrès à Abidjan le 11 septembre dernier. Inox B en featuring avec Dadju, c'est un concert live à Kinshasa qu'il ne fallait pas rater. À l'instant, c'était l'actualité à l'international et c'est toujours comme ça. Localement, nationalement et internationalement, on vous donne tout ce qu'il faut sur l'info de l'actualité de la musique urbaine africaine et aussi de sa diaspora. Oudé Mil, le jeune prodige du rap malien, c'est notre invité ce mois-ci. Oudé Mil, tu étais à la finale de Corée Hip-Hop. L'invité, bien sûr, cette année. Ouais. Tu as vu un peu la compétition. Comment tu as apprécié les jeunes rappeurs? Comment tu as apprécié le public? Trop content parce qu'il y avait du monde. Et en plus, les gars-là, vraiment, talent bas de boule, on a un talent tout là, galon. Tu vois, donc vraiment, on a fou le bouillé. Fin fait, Bora, on a ni hip-hop koina, ni kore hip-hop koina, on a fou le wow, bel adjelé. Ben, Oudé, on va se quitter. Quel est ton dernier mot, certainement? Bon, fin fait, on a déjà ni oratina pour le moment. On a fou le wow, bel adjelé. Donc ni ta bané chien wara fin wara we na le minga djounen be yadi kobene koro afoué kobene kobé. Donc il y a des projets en vue alors le mois qui vient en gang en structure il y a lancement que nous kobé industrie ouais en gang en lancement que donc Robert invitez le nous non c'est là gaillé. Ça nous fera plaisir en fait. Inch'Allah, on sera là. Ben Oudé, franchement, ce fut un plaisir.